transforme en shizo. Dans sa jupette, d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Max et Casco, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 en espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca Bat, écrit l'enfer, qui est aussi trop super. Shizo, c'était Zatata, Shizo, c'est notre super nana. Morte au poulpe, sortie des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de pave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a que ce Shizo. Ce soir, le champion du monde incontesté, catégorie poids lourd, Crash Thunder, remet sa ceinture en jeu face à son pire ennemi, Freddy Flatulovitch. Crash Boom Bap, le champion va gagner. Crash Boom Bap, ses ennemis vont pleurer. Je suis navré, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Megadel. Le match de championnat international poids lourd de ce soir est malheureusement annulé. Quoi ? Comment ça annulé ? Le champion actuel, Crash Thunder, a informé le juge qu'il déclarait forfait. Son titre revient à Freddy Flatulovitch. En ce jour, devant vous, Megadale, je vous présente le nouveau champion du monde, Freddy Flatulovitch. J'y crois pas. Crash Thunder n'aurait jamais déclaré forfait. Il faut qu'on découvre le fin mot de l'histoire. Tu n'es rien d'autre qu'un gros boulet à cornes, Crash Thunder. Oh. Pourquoi tu me laisses tomber, Tony? C'est parce que je ne suis plus champion du monde, c'est ça? C'est toi qui as abandonné Crash Thunder. D'ailleurs, tu ferais mieux de changer de nom pour t'appeler Crash Loser. Ah, tu deviens manager de Freddy Flatulovitch seulement parce qu'il a pris ma ceinture. Ah, tu sais ce que je pense. Tu n'es qu'une ordure, Flatulovitch. Et tu sais ce que les gens font avec les ordures? Ils les jettent parce que c'est des ordures. Tu sais ce qu'il y a dans ordures, espèce d'encorné? Il y a or et de l'or, c'est ce que j'ai ici! Alors que toi, tu n'as rien du tout! Andrés est ouvert! Wow. Salut, champion. Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Maz. On est tous les deux tes plus grands fans de la Terre entière. Désolé de vous avoir laissé tomber ce soir, les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton titre? Les trolls. Hein? On n'est pas des trolls, nous. Non, un troll m'a rendu visite. Hein? Un troll qui s'appelait Georges. Y'a André? Je m'appelle Georges le troll. J'ai horreur des trolls. N'approche pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas gentiment abandonner ton titre à mon catcheur préféré du monde entier, Freddy Flatulovitch. Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que si tu refuses, alors je vous jetterai un sort à toi et à ta mère. Non, ne fais pas de mal à ma vieille mère, chérie, s'il te plaît. Déclare forfait et je te promets de ne rien lui faire. Je croyais que Crash Thunder n'avait jamais peur de rien. Non, je n'ai peur de rien. De rien sauf des trolls, ils me font horreur. Reprends-toi, Crash, tu es le champion. Tu dois faire face à tes peurs. Fonce tête baissée et réduis-les en bouillie. Non, je n'y arriverai pas. Vous me prenez pour qui? Pour un super-héros? Tu penses que ça t'aiderait à affronter les trolls si tu recevais l'aide d'un super-héros? Ah, ça c'est clair. Tu es prêt à affronter ta peur, champion? Non, allons-nous-en. Vous n'imaginez pas ce que ça fait d'avoir une peur secrète. Oh que si! Moi j'étais terrorisée la première fois que j'ai dû porter ce costume en public. Sans rire, tu veux dire que Shizo a peur? Oui! Mais tu sais quelle est la chose qui fait encore plus peur? C'est de courir à 300 km/h avec tes talons. Moi, tes talons, je les trouve tout à fait superbes, Shizo. Non.
Oui, ils font leur effet. C'est un tube, leur truc. Voyez-vous ça? Mais c'est la célèbre Shizu. Quel bon vent vous amène chez Troll et compagnie, hein? Vous êtes peut-être à la recherche d'une catapulte d'occasion, hein? Non, on est là parce qu'on cherche un troll qui s'appelle George. Il a menacé de jeter un sort à mon ami. À notre ami, l'invincible Crash Tonnerre. Coucou, c'est moi. Je suis navré de ne pouvoir vous aider. C'est contre le règlement intérieur de l'entreprise de donner la moindre information concernant les trolls. Bon, d'accord, tant pis, au revoir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne donnes pas d'informations, hein? Eh ben écoute ça, je vais t'en donner une d'information, moi. Les trolls sont moches et méchants et dégoûtants. Je te remercie du fond du cœur. Alors ça, c'est un compliment qui me fait infiniment plaisir. Bon, d'accord. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Alors je vais vous révéler une petite tradition qui accourt chez nous, les trolls. Une trolldition, en d'autres termes. Si Shizu et Crash Tonnerre réussissent à battre nos deux champions de catch, les méga-trolls, alors je promets de vous dire tout ce que vous voulez savoir sur George le troll. Un bon courage, champion. On va leur mettre une raclée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Troll de 7 à 77 ans, je vous présente le grand combat de ce soir. Dans ce coin du ring, applaudissez les méga-trolls. Je n'y arriverai jamais, j'ai ça, j'ai beaucoup trop peur. Bon, écoute, champion, un jour, une personne d'une grande sagesse m'a dit: il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Qu'est-ce que quoi? Tu as tout compris. Champion, j'ai besoin de ton aide. Fais-le au moins par galanterie. Bon, d'accord, Shizu. Je veux bien le faire, mais pour toi. Allez, les Megatrolls, faites-en de la purée. Crash Tonnerre. Shizu et Crash Tonnerre. Voilà, on a gagné. Alors balance les infos. Où se cache George le troll? Je peux savoir ce qui te fait rire, Trollzilla? C'est toi et tes amis qui me font rire. Tu veux savoir pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il n'y a aucun troll qui s'appelle George. Et ils se sont moqués de nous. Ben quoi? On est des trolls. Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient méchants. Il va falloir mener une enquête digne de Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Tu trouves quelque chose, Maz? Une famille d'asticots, un cafard et la moitié d'une pomme. Mais enfin, le troll était bien réel, je te l'assure. Il était réel et terrifiant. Réel? Un peu comme ça. Ah oui, c'est lui! Tu vas passer un sale quart d'heure! Tu ne me fais plus peur, George! On dirait bien que George le troll a perdu la tête! J'ai surtout l'impression qu'on m'a joué un tour! Oh. À part Maz et moi, qui est au courant de ta peur irrationnelle, débile, infantile, niaise et ridicule des trolls? Elle n'est pas irrationnelle! Il y a seulement deux personnes dans le monde entier qui savent que les trolls me font horriblement peur! À tous et tous pour votre chaleureux accueil. Je voudrais que vous sachiez une chose. Si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été trahi. Trahi par mon ancien manager, Tony Baloney. C'est toi qui m'as fait ça, Tony. Tu savais que j'avais une peur terrible des trolls et tu voulais que je perde ce match. Tu ne manques pas d'air, Crash Tonnerre. Tony n'a absolument rien à voir avec cette histoire de troll. Tu es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Ferme un peu ton pot d'échappement, Flatulovitch. Je vais vous foudroyer. Alors ça, c'est ce que j'appelle des places de premier choix. L'enquête le confirme.
Crash Bartholomeus Alexander Tonnerre. Bon. Arrête ces vilains jeux de main immédiatement. Mais maman, cette bande de clowns m'ont tendu un piège en se déguisant en troll horrible. Non, ce n'était pas eux, c'était moi. Mais pourquoi, maman? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu sais à quel point ça me déplaît que tu fasses ces matchs de catch. C'est dangereux, je ne veux pas que tu te fasses du mal. Oh. Hein? Génial. Eh oh, on n'a pas payé pour voir ça. Mais maintenant que je vois à quel point tes fans t'adorent, je me rends compte que j'avais tort. Tu es fait pour te battre comme une brute. Et je suis désolée de t'avoir fait peur avec ces histoires de trolls. Oh, maman, tu mériterais que je te mette une raclure. Oh. Yeah. Eh oh, je vous dérange? Vous vous êtes cru chez Mémé ou quoi? Je te dis de fermer ton pot d'échappement, Flatulovitch. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que je sorte la poubelle, ça commence à sentir. Crash, boum, paf, le champion va...